Lulu Gainsbourg, dont on entend un des derniers titres. Ton album doit sortir au mois de février, c'est ça? Le 9 février. 9 février. Très bien. Il est fini? Tout est fait ou est encore... Non, tout est fini. Il attend de voir le jour. Lulu, petite question. En 2002, tu as tourné dans un film, vu que tu es acteur, qui s'appelle La bande du drugstore. Comment ça se fait qu'après... Tu remontes loin dans les dossiers. Ah, écoute, toi. On est jeune, effectivement. Merci Wikipédia. Mais, mais aujourd'hui, pourquoi tu continues pas toujours dans le cinéma, vu que tu as une vraie gueule et que tu aurais pu faire aussi pas mal de choses là-dedans? Bah, c'est gentil, merci. Je t'en prie. Écoute, j'ai eu cette occasion de faire la mascotte dans la bande du drugstore. C'était une expérience énorme. Ouais. Et on m'a proposé un premier rôle ensuite à faire, où c'était d'ailleurs une histoire d'un jeune qui fait où deux sœurs sont amoureux, enfin je sais plus quoi. C'était les quatre filles du docteur Marsh. Assez drôle. Et j'ai fait l'audition, je devais faire une déclaration d'amour et je me suis retrouvé devant un vieux barbu. Et ça m'a complètement déstabilisé. C'était pour l'instant, non, je déconne. Ouais, c'est pas pour moi le cinéma. Enfin, ouais, d'accord. Mais ça pourrait revenir peut-être éventuellement un jour.